God is in this place. Ces lieux. As Jacob said, comme Jacob l'avait dit, God is in this place and I did not know. Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas. So I want to tell someone here who did not know that God is in our midst. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne savait pas que Dieu est au milieu de nous. I want to affirm to you that God is in our midst. J'aimerais te confirmer que Dieu est au milieu de nous. We praise God for this day. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. We thank the presence of the Spirit of God. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit de Dieu. Spirit of God, we love you. Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons. And we pray that you may take control. Nous prions pour que tu prennes tout sous ton contrôle. Reveal yourself to every man and woman that are watching us right now. Révèle-toi à toutes les femmes et à tout homme qui nous suit aujourd'hui. That surely their life will never be the same again. Que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. But transform them from glory to glory. Mais transforme-les de gloire en gloire. By the power of your speaking word. Par la puissance de ta parole révélée. In the powerful name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. So shall it be. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et praise God. Gloire à Dieu. Every viewers watching us right now, I want to say a big thank you for you being connected today. À tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, merci d'être connectés aujourd'hui. As you can see, I am not alone today. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seul aujourd'hui. Surely the Bible says that it's not good for man to be alone. Et la Bible dit il n'est pas bon pour un homme d'être seul. So today I'm not alone. Aujourd'hui je ne suis donc pas seul. I am with my bones of bones. Je suis avec l'os de mes os. With the peace of peace. La chair de ma chair. That Jesus dwell in her. Et Jésus Amen. Réside pleinement en elle. And causes me to dwell in peace, in Et peace. Elle me permet de résider dans la paix, dans les profondeurs de la paix. So, you are welcome. Donc, je vous souhaite la bienvenue. And surely, we'll see if we can flow in the topic today. Et je verrai certainement si on pourra comme ça se mouvoir dans notre sujet aujourd'hui. If the Lord allows us, si le Seigneur nous le permet, we'll see how we can stretch a little bit higher. Nous verrons comment est-ce que nous allons monter dans une altitude beaucoup plus élevée. By God's grace. À travers la grâce des dieux. So, will you say hi to the viewers? Est-ce que tu peux dire bonjour aux téléspectateurs? I am so happy to be here today with all of you. Je suis très heureuse d'être ici avec chacun de vous. C'est ma première fois be on live d'être on, comme ça en ligne Sunday morning, and it is a joy. Dans le culte du dimanche. Je vous souhaite la bienvenue. Let's fellowship together. Invite un maximum de personnes pour communier avec nous. Let us hear que nous puissions nous réjouir dans la parole, que nous puissions écouter la parole et nous réjouir dans la présence. Soyez tous les bienvenus. Great, great. As you hear, she speaks all the short. Fantastic. Elle était très concise. I'm the one who speaks too much. Parfois, c'est moi qui parle beaucoup plus et beaucoup plus longuement. And it's also good. C'est aussi une bonne chose. So, karibu. Je vous souhaite donc la bienvenue. Today is Mother's Day. Aujourd'hui, c'est la journée des mères. We salute all mothers that are watching us. Nous célébrons et nous saluons toutes les mamans qui nous suivent maintenant. We love you, mothers. Oh, les mamans, nous vous aimons, nous vous célébrons. We appreciate you. Nous vous apprécions. Let us start by saying Happy Mother's Day. J'aimerais commencer par dire joyeuse fête des mamans à notre maman spirituelle, maman Anita Kusibonteng. We love you so much. Nous t'aimons beaucoup, beaucoup. Today morning, I woke up. Aujourd'hui, ce matin, je me suis levée. In the presence of God, alors que j'étais dans la présence de Dieu en train de prier, mon cœur était en train de remercier le Seigneur pour votre vie, pour vos conseils, pour votre amour, pour l'amour que vous m'avez démontré, ainsi qu'à mon mari. C'est un amour tout à fait particulier, spécial, pour vos attentions particulières dans ma vie, vos prières, vos instructions. Je vous apprécie énormément.
Be there on the phone when I need you. Be there whenever I'm running to you. Vous êtes là chaque fois que je recours à vous. Je vous remercie. The best spiritual mother that anyone could ask for. Vous êtes la meilleure mère spirituelle que j'ai jamais eue. And we want to also celebrate and thank God for both our mothers. Nous voulons également célébrer et remercier le Seigneur now. Pour deux mamans. My j'ai deux mamans. J'ai ma propre mère. Miss Doris and Maman Doris, Mama Leah. J'ai également ma maman, I love you maman so Leah. Much. Je you vous have, aime I mean, toutes les deux so énormément. Vous êtes une to grande bénédiction. The best two mothers je suis béni d'avoir les deux meilleures mamans au monde. I pray je prie that the Lord shall satisfy you with que long le Seigneur life, vous satisfasse et vous donne une longue vie, que vous puissiez vivre pour voir and vos arrière-petits-enfants. Que le Seigneur vous donne la I joie et la paix. So je vous aime and toutes. To all the mothers, et à toutes les mamans, all the mothers, à toutes les mamans, your labor is not in vain. Votre travail thank n'est pas en vain. Thank you for loving us. Merci all the mothers aimer, in CLJ Maranatha family. Maranatha, we love CLJ. Each and every one of you. Nous vous we aimons. Appreciate your effort. Nous apprécions vos and efforts. We celebrate you this et nous vous day. Célébrons it is for aujourd'hui. All of you. We celebrate c'est pour vous toutes. God nous vous bless célébrons. Each and every one au nom of de you. Jésus, Dieu bénisse chacune de vous. Amen. Thanks be to God. Thanks be to God. Béni au Seigneur. We merci love, au Seigneur. And we surely appreciate all the mothers. Certainement nous aimons et nous apprécions toutes les mamans. And thank God to our spiritual covering mother. Je bénis Dieu pour notre mère spirituelle. Mama Anita. Maman Anita. And our mentor. Et mon mentor. Mama Ruth as well. Ah ok, yes, Mama Ruth. We love you, Mama Ruth. Mama, yes. Mama Ruth, Andua, nous t'aimons également. And we salute them and we love nous them. Les saluons d'où elles nous suivent. Nous vous aimons. Today is a pretty interesting day. Aujourd'hui est une journée particulièrement très intéressante. We can flow to the word. Nous allons comme ça nous plonger dans la parole. Pastor Sam is with us, thank God. Pasteur Sam est avec nous, nous remercions le Seigneur. Thank you, Father. I hope the connection is good. Je pense que la connexion est bonne. Great. Super. I hope there will not be interception. Je déclare qu'il n'y aura pas d'interception. Interceptions refuse them. Nous so refusons cela au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Great. So. Bien, bien, bien. Let's go. I'm missing one of the partner who's supposed to be here with us. Il y a également une de nous qui devait être avec nous qui n'est pas là. Elle nous manque. So. Let's see how we are going to flow in this. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons nous plonger dans ceci. The word of God says to us. La parole de Dieu nous dit. In the book Genesis, right? Dans les livres de Genèse, n'est-ce pas? Chapter 6. Genèse au chapitre 6. Verse 1. The Bible. Nous allons donc commencer à partir du verset premier que dit la Genesis, Bible. Genesis chapter 6 verse 1. Genèse 6. When human beings began to increase in number on the earth. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. And daughters were born to them. Et que des filles leur furent nées. The sons of God saw that the daughters of humans were beautiful. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. And they married any of them they chose. Et ils en prirent pour faire femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Then the Lord said, alors l'Éternel dit, my spirit will not contend with humans forever. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. For they are mortal. Car l'homme n'est que chair. Their days will be 120 years. Et ces jours seront des 120 ans. The Nephilim were on the earth in those days. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. And also afterward. Après que les fils de Dieu. When the sons of God went to the daughters of humans. Furent venus vers les filles des hommes. And had children with them. Et qu'elles leur eurent donné des enfants. They were the heroes of old. Ce sont ces héros qui furent fameux. Men of renown. Dans l'Antiquité. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. And that the inclination of their thoughts of the human heart was only evil all the time. Et que toutes les pensées right. de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. So where did we stop the last time? Alors la fois dernière où étions-nous arrêtés?
My father, first of all, I want to just welcome you and mother again. Papa, j'aimerais encore une fois de plus souhaiter la bienvenue à notre maman. Delighted to have you today. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous. When we were ending, you are now defining who are the principalities. Lorsque nous avions terminé la fois dernière, vous définissiez qui étaient les principautés. And you spoke about how Joshua achieved a place of rebuking, saying to the devil, "The Lord rebuke you," when they were contending with the body of Moses, for the body of Moses. Vous nous avez également expliqué comment est-ce qu'il y avait eu cet événement où Michel est en train de réprimander le diable lorsqu'ils étaient en train en conflit au sujet du corps de Moïse. And then you are defining how principalities, you cannot cast out principalities, you have to know when you get into prayer how to go about it. Et vous avez dit qu'on ne peut pas chasser les principautés, mais on devait simplement les faire taire. That is where we had gotten to. C'est là que nous nous étions arrêtés la fois dernière. All right. To God be the glory. Donc à Dieu soit toute la gloire. I believe the last time I mentioned something very delicate. Je le crois, la dernière fois, j'ai mentionné quelque chose qui était très très délicat. I said that demons are not principalities. J'avais dit que les démons n'étaient pas des principautés. And principalities are not demons. Et que les principautés n'étaient pas des démons. And then I went on to explain. Et j'ai continué en expliquant. How demons got to be birthed. Comment est-ce que les démons ont été engendrés? And I proved to the people that the fallen angels. Je vais prouver aux gens que les anges déchus. They went on with the daughters of man. Lorsqu'ils se sont accouplés avec les filles des hommes, they bear children, and there the Bible says the Nephilim, they were born out of them. Ils ont eu des enfants et la Bible les a décrits comme les Nephilim. The Bible says they were great, they were tall. La Bible dit qu'ils étaient des géants et qu'ils étaient forts. And wickedness began to spread. Et la méchanceté a commencé à se multiplier. That's where wickedness originated. C'est de là que la méchanceté a trouvé son origine. So you want to know more today? Yes, sir. Aujourd'hui, vous souhaitez en savoir plus. Then the Bible says. Alors la Bible dit. Noah found favor in the eyes of God. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Because he was a righteous man. Parce qu'il était un homme juste. Together with his family. Avec toute sa famille. Then suddenly, God said to him, "I'm going to destroy the entire world by water." Et soudainement, tu avais dit, "Je vais détruire, exterminer la terre entière à travers les eaux du déluge." And the Bible says, "The water grew." And was lifted to the level even all the mountains were covered. Et la Bible dit que l'eau avait commencé à augmenter jusque à couvrir la cime des montagnes. Then I wonder why just the level of the water had to reach until to cover the mountains. Et je me pose cette question, pourquoi est-ce que le niveau de l'eau devait-il augmenter? For what reason? Jusqu'à couvrir la cime des montagnes, juste pour une raison. For what reason? Pour une raison. The reason is this. La raison est la suivante. These beings, they were taller like mountains. Ces êtres étaient élancés, wow. Aussi élancés que des montagnes. Wow. So the water had to reach until to the levels even to cover the mountains so that they might not be survivable because they would climb on the mountains. Donc le niveau de l'eau devait augmenter jusqu'au niveau de la cime des montagnes pour qu'il n'y ait pas des survivants parce qu'ils allaient grimper jusqu'au niveau des montagnes. So God had to make sure the water really is everywhere. Donc Dieu voulait que l'eau se répande donc partout. Until there's not even a sign of it.
mountain. Jusqu'il n'est même pas un signe de montagne. But still, mais et pourtant, others escaped. Il y en a certains qui avaient été épargnés. We'll go there. Nous allons y arriver. And I'll show you how they escaped. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'ils avaient réussi à s'échapper. The Bible says multitude of them died. La Bible dit que une multitude d'eux étaient morts. Many of them died. Plusieurs d'entre eux étaient morts. There were still some of them that ran away. Mais pourtant, il y en avait certains d'entre eux qui avaient réussi à s'échapper. They survived the flooding. Ils avaient survécu au déluge. While others they died. Alors que d'autres étaient exterminés. And I'll show you where they ran to. Et je vais vous montrer où ils s'étaient réfugiés. Before me to get there first. Avant d'accéder là-bas. The reason why demons they like dwelling in the bodies of human beings. La raison pour laquelle les démons aiment résider dans les corps des êtres humains. It's because c'est à cause they were once in a body. C'est parce qu'ils étaient une fois déjà dans des corps. And the reason why principalities do not enter the body of people is because la raison pour laquelle les principautés n'entrent pas dans les corps des hommes, c'est parce que they are not allowed. Parce qu'il ne le leur est pas permis. Angel cannot enter your spirit. Les anges ne peuvent pas entrer dans le corps. But demons, they like your body and they call it a house because they had a house once. Les démons aiment votre corps et l'appellent maison parce qu'ils avaient déjà un corps une fois. And that house, et cette maison-là, it was the body that was given to them. C'était la maison, le corps qui leur était donné. And the body that was given to them, it came through the association of men and the fallen angel. Et le corps qui leur était donné à travers la combinaison des filles des hommes et des anges déchus. And when the flooding came, et lorsque le déluge est arrivé, they died. Ils sont morts. They are condemned. Ils ont été condamnés. They are judged. Ils ont été jugés. You cannot go to hell. Ils ne pouvaient pas aller en enfer. You cannot go to heaven. Ils ne pouvaient pas ni aller au ciel. Heaven has closed the gates. Le ciel avait fermé ses portes. Because you are not made by God. Parce qu'ils n'étaient pas, ils ne pouvaient pas y accéder. And hell also has locked the door. Et l'enfer aussi avait fermé ses portes. Because it's not yet time for hell to receive the banning of the seeds of the snake. Parce que ce n'était pas encore le temps pour l'enfer d'accueillir la semence du diable. So where will these people go? Alors où ces personnes devraient-ils partir? Because they had the spirit. Parce qu'ils avaient un esprit. They had the spirit. Ils avaient un esprit. Therefore, par conséquent, they had to return to the same place and the same decree that the Lord declared upon their forefathers again. Ils devaient retourner au même endroit à travers les décrets que le Seigneur a déclaré à travers leur père. Fathers, leurs ancêtres, be a wanderer. Qu'ils soient des vagabonds. That's why demons are wanderers. Voilà pourquoi les démons sont des vagabonds. The Bible says they go forth and they don't have a place to sit. La Bible dit qu'ils n'ont pas de repos. Ils vont d'endroit en endroit. I hope I'm making it. Yes, sir. Yes, sir. It's clear. So when they became wanderers, lorsqu'ils sont devenus des vagabonds. Their purpose was not what we need to return back to our body. Leur objectif était lequel ils désiraient rentrer, retourner dans leur corps. We cannot stay like vagabonds and we had the body once. Nous ne pouvons pas rester comme des vagabonds. Nous avions eu un corps une fois. And therefore, that is the time demons came to be. Et donc, c'est à ce moment-là que le démon commençait à exister. So demons are the spirits of the Nephilim. That's the body. The flesh came out. Donc les démons sont les néphilines dont les corps ont été retirés. So the Nephilim, donc les néphilines, they had once the flesh. Ils avaient eu une fois un corps. A house.
C'était leur maison. That's why when they enter the body of somebody, it becomes their house. Voilà pourquoi quand ils entrent dans le corps de quelqu'un, ça devient automatiquement leur maison. And for you to remove that spirit out of that person, you need to fight. Pour que vous puissiez chasser cet esprit du corps de cette personne, vous devez vous battre. Because their purpose is to occupy houses. Parce que leur objectif est d'occuper des maisons. Houses. Des maisons. Which is human body. Ces maisons qui sont les corps des êtres humains. Okay? Yes, sir. It's clear. Then. Alors. Can we do some tracing? Tracing yes. of the seed. Yes, sir. Est-ce que nous pouvons faire une sorte de généalogie de la semence? Because they still live until today. Parce qu'ils continuent encore d'exister jusqu'à aujourd'hui. You said they escaped, some of them escaped. Vous avez dit que certains d'entre eux avaient réussi à s'échapper. That scripture that said in chapter 6 that vous voyez, they, au chapitre they 6, lived now and afterward. Yes. Ils disent right? qu'ils ont vécu yes. et continuent à vivre après. Mm-hmm. J'aimerais que vous puissiez le trouver au chapitre 6. The Nephilim were on the earth in those days and also afterward. Afterward. Ils étaient pendant ce temps-là même après. They were there those days. Those days. And ils also étaient là dans afterward. Ces jours-là et and même afterward. Après. Yes. So the Bible is telling us clearly that if they were there and afterward, that means they escaped the delusion of Noah. La Bible nous dit que s'ils étaient là en wow. ce moment-là et même après, cela signifie que certains ont échappé au déluge de Noé. Wow. All right? Yes, sir. It's clear. Let me take you very quickly. Eh? J'aimerais vous emmener très très rapidement. We are just going to do prophetic tracing. Yes. Nous allons faire une sorte de généalogie prophétique. Okay? Yes. To trace the seed, how they escape it, where they are. Pour retracer la sémence, where they were, ont-ils échappé, où sont-ils, and where they are où today. Étaient-ils et où sont-ils aujourd'hui? All right, we are ready. Nous sommes prêts. You'll understand that. Vous allez comprendre que the world, le monde, this world, ce monde, is a medium. Yes. Ce n'est qu'un canal. Is a medium. Ce n'est qu'un canal. Between the heaven, entre le ciel, of God, de Dieu, and the heaven of Lucifer. Et le ciel de Lucifer. Fighting to gain something in the world. Qui combattent pour gagner quelque chose dans le monde. Which is human being. Qui est l'être humain. So there is a warfare happening. Donc il y a une guerre qui est en train de se produire. You'll see. Vous allez voir. You will know why there is churches. Vous allez maintenant comprendre pourquoi il y a des églises. The world is more spiritual than physical. Le monde est plus spirituel que matériel. Jesus. The flesh was gone out of them. Ils étaient donc dépourvus de corps. Then suddenly. Et donc soudainement. Those who escaped. Ceux qui avaient réussi à s'échapper, they were found. Ils ont été retrouvés in Sodom and Gomorrah. Dans la ville de Sodome et Gomorrah. Because they said there was great wickedness. Yes. Parce qu'au niveau de Sodome, il y avait une grande méchanceté. And these spirits, they like where there is green. Et ces esprits gardens, aiment là où il y a des verdures, des jardins, là où il y a de l'espace. That's where also where Lot went. C'est là également que Lot était allé. He went among the wicked people whereby gazing. Il était allé au milieu des méchants. Can I prove to you what I'm telling you is true? Yes. J'aimerais vous prouver yes. que ce que je suis en train de vous dire est vrai. The Bible says when Lot. La Bible dit que lorsque Lot accommodated the angel sent by God to come and destroy Sodom and Gomorrah. A hébergé les anges qui étaient envoyés par Dieu pour détruire Sodome et Gomorrah. Right? Yes. The Bible says when they entered into the house of Lot. La Bible dit quand ils sont entrés dans la maison de Lot. There was serious wickedness in the town of Sodom and Gomorrah. Il y avait une méchanceté dans la ville de Sodome et Gomorrah. Men stopped sleeping with the opposite organs. Les hommes ont commencé à arrêter de. But they started doing it between men. Men were
gazing. Ils ont arrêté de s'accoupler avec le sexe opposé. Ils ont commencé à faire le They came to Lot and asked him, "We saw some men." Et ils sont venus à Lot et ils ont dit, "Nous avons vu deux hommes." Capture that. What? Two men. Write it down. I'll take it to another place. We saw two men. Ils ont vu deux hommes. And these two men, where are they now? Où étaient-ils? They are inside. Ils étaient à l'intérieur. We want them, take them out. Nous voulons qu'ils sortent. Mm-hmm. And Lord said what? He said no. Et Lord, qu'est-ce qu'il a dit? I have a brand virgin daughter. Il a dit, j'ai des filles qui sont encore vierges. I can give them to you. Je peux vous les donner. They refuse virgin. Mais ils ont refusé même les vierges. But they want men. Mais ils voulaient what? Simplement les hommes. To rape them. Pour les violer. And the Bible said. Et la Bible dit. The two men came out. Les deux hommes sont sortis. And that is the time now destruction began. Et c'est en ce moment-là que la destruction a commencé. The two men. À travers les deux hommes. Go to the book of Joshua. Nous allons dans les livres de Josué. Are you there? Est-ce que vous y êtes? Joshua. Josué. Chapter 2. Chapitre 2. Verse 1, read it. À partir du verset premier, lisez. Then Joshua, son of Nun, secretly sent two spies from Shittim. Two spies. Joshua. Sent them. Les a envoyés. Two spies. Two spies. Uh-huh. Where? From Shittim. To where? Go look over the land. Where? En leur disant, allez examiner le he pays. He said, especially Jericho. Et en particulier Jericho. Jericho, what kind of people were found in Jericho? Quelle sorte de personnes étaient trouvées là-bas à Jericho? Hein? Giants. Which les géants. The Nephilim. The Nephilim. All right. Mm-hmm. Two people sent. Deux personnes envoyées. And when they enter, what happened? Et quand ils sont entrés, qu'est-ce qui s'est passé? So they entered. They went and entered the house of a prostitute. Yes, a prostitute named Rahab. Uh-huh. And stayed there. And stayed there. What happened next? The king of Jericho was told, uh-huh. Look, some of the Israelites uh-huh. have come here tonight to spy out the land. They are here to do what? To spy out the land. Uh-huh. So the king of Jericho sent this message to Rahab. Bring out the men. Bring what? The king is speaking. He said what? He sent some people to say what? Bring out the men. The men. Who came and entered your house. Who came and entered your house? Your house. Who came and entered your house? Two men. So what? We can destroy them. Because they have come to spy out the whole land. They came to spy. The same way the two angels entered Sodom and Gomorrah to do what? To spy the city of Sodom and Gomorrah. The same way also the two men sent from Israel to spy the city of Jericho where there was Nephilim. De la même manière, deux hommes ont été envoyés à travers Israël pour espionner la ville de Jéricho où il y avait des Nephilim. In Sodom and Gomorrah, they asked them to come out so that they can rape them. Dans Sodom et Gomorrah, because they were brand new. Parce qu'ils voulaient les they were fresh. They came in the city. Parce qu'ils étaient frais. Ils avaient l'odeur de la fraîcheur. Ils étaient venus dans la cité. And here also they noticed two et coming ici, to their city. Ils ont remarqué également deux and they said, take them out. Same scripture. Take them out. Take them out. Sortez-les, sortez-les. Okay? Yes. This is just to show you the tracking. Ça c'est juste pour okay? vous montrer une sorte de généalogie. So, they were in Sodom and Gomorrah. Donc ils étaient dans Sodome et Gomorrah. And then God destroyed Sodom and Gomorrah. Et donc Dieu avait détruit Sodome et Gomorrah. Still by angels. À travers les anges. This time he could not destroy them again through water because he spoke a decree through Noah. I can never destroy the world again with water. Là, il ne pouvait plus les détruire avec l'eau parce qu'il avait. So the only way now God can destroy them it was not through fire. La seule manière pour Dieu les détruire c'est à travers le feu. Wow. Okay. Yes, sir. It was not through fire. Donc c'était maintenant à travers le feu. So by fire. Donc ce n'est qu'à travers le feu. These people were destroyed. Que ces gens ont été détruits. Then they moved.
Alors ils se sont déplacés. Some still survived. Certains encore avaient survécu. Some Nephilim survived. Certains Nephilim avaient survécu. That's why God can never destroy the world again with water. Even the second time he's coming, he will destroy it with fire. Voilà pourquoi Dieu ne peut plus détruire le monde avec l'eau. Il va le détruire avec le feu même de sa seconde venue. He stopped using angels to destroy the seed of the Nephilim. He began using human beings to destroy the seed of the Nephilim. Il a arrêté d'utiliser les anges pour détruire la postérité des Nephilim. Il commence à utiliser les hommes pour détruire cette postérité. Do you know where they moved? Vous savez où ils s'étaient déplacés? They moved to Jericho. Ils s'étaient déplacés dans la ville de Jéricho. Okay? Yes. Sir. They entered Jericho. Ils sont donc entrés dans Jéricho. And that city of Jericho was bathed through Arba. Et cette ville de Jéricho a vu le jour à travers I mentioned the name. C'est Néphilim qui portait ce nom-là, Abba. His name is Arba. Son nom était Arba. Arba built the city called Kiriath. Arba avait bâti la ville qui s'appelle Kiriath. And Arba, et Arba gave back to Anak. Avait donné naissance à Anak. Anak gave back to three children. Et Anak avait donné naissance à trois enfants. And those three children built their cities. Et ces trois enfants ont bâti des villes. Sheisha. Il y avait Sheisha. I believe Daima or something. Il y avait aussi Daima. And the other one. Et il y avait un autre. Talmai. So you can see this Nephilim. Donc vous pouvez voir que ces Nephilim, wherever they go, partout où ils allaient, they have to build cities. Ils devaient bâtir des villes. They don't say in village, they build cities. Ils ne disent pas des villages, ils bâtissaient des villes. They know the beauty of cities. Ils savaient la beauté des villes. No village. Pas des villages. Wow. That's why we need to build cities. Voilà pourquoi nous avons besoin de bâtir des villes. Yes. The seeds of God, they must build cities, not houses. Les seeds de Dieu doivent bâtir des villes, pas seulement des maisons. Not small houses. Pas seulement des cars, pas seulement des voitures, des villes. That's why my grandfather in the Lord, the Archbishop, has a city. Voilà pourquoi mon grand-père dans le Seigneur, l'archibishop, a une ville. My father is also on the way. Mon père aussi est entré dans la même, dans le même processus. My father is also on the way. Mon père également. Let me show you. J'aimerais vous montrer quelque chose. So they dwell in Jericho. Ils sont donc résidé à Jéricho. Arba gave back to Anak. Arba a donné naissance à Anak. And Anak is the fathers of the Anakites. Et Anak est le père des Anakites. And Anakites, et les Anakites, are the great giant again. Sont étaient des grands géants encore. They rebuilt themselves again. Et ils s'en sont multipliés encore. They become again many. Ils sont encore devenus nombreux. God, so now this time I should not use an angel. Et là Dieu a dit qu'il n'allait plus utiliser un ange. But I will involve only one archangel. Mais il va impliquer juste un seul only archange. One archangel. Un seul archange. Michael. Michel. There's a lot of echo here. Only one archangel. One archangel. Michael the archangel. Michael. Yes, sir. That's what the Bible says when Michael. Voilà pourquoi la Bible dit lorsque Michel was getting ready now to attack the Jericho. Lorsque Josué était prêt pour attaquer Jéricho, the Bible says suddenly he saw a man appearing to him. La Bible dit que soudainement il a vu un homme lui apparaître. And he came after the man. Et il est allé après cet homme. And the Bible said the man had a sword. Et il avait vu que l'homme avait une épée. And watch what Joshua says. He said, "Are you on our side or on the side of our enemy?" Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis?
And the guy said what? Et qu'est-ce que le monsieur avait dit? I am the chief of the army of God. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. And I'm not on the side of your enemy. Je ne suis pas du côté de tes ennemis. I am here to enter your battle to conquer. Je suis ici pour entrer dans ta bataille. Conquérir ses forces. The same way only Michael conquered the seed of Satan in heaven, he was the one also to enter the battle on the earth to conquer the seed of the Nephilim. De la même manière que Michel avait conquis et vaincu Satan au ciel et sa postérité, il est entré dans la bataille. So God saw here, I don't need to send more angel. I need just Michael to join the army of Israel to fight the opposite. Il ne devait pas envoyer beaucoup d'anges, juste Michel se joindre à l'armée de Josué pour combattre cette. So it is Michael. Donc c'est Michel. It is Michael. Donc c'est Michel. That destroyed them. Qui les a détruits. Behind the bodies. Derrière le corps. Of Joshua's Joshua and the Israelis, et Caleb's and others. Caleb et les autres. And I'll prove to you, the Bible said that they had what? The sword. Qu'il avait une épée. Let me show you. Je vous montre Joshua. Quelque chose. Nous allons dans les livres de Josué. Chapter 6. Josué au chapitre 6. Reads verse 20. Vous allez lire le verset 20. To 21. Au verset 21. Joshua chapter 6 verse 20 to 21. Mm-hmm. When the trumpets sounded, what happened? The army shouted. Uh-huh. And at the sound of the trumpet, yes. When the men gave a loud shout, uh-huh. The wall collapsed. Correct. So everyone charged mm-hmm. straight in mm-hmm. and they took the city. Uh-huh. They devoted the city to the Lord uh-huh. and destroyed with the sword. Wait. Attendez. They destroyed with the sword. What? Ils les ont détruits à travers le fil de l'épée. Every living thing in it. Tout ce qui était dans la ville. How can you destroy the city with a sword? Comment pouvez-vous détruire une ville avec une épée? Whose sword? Quelle épée? Michael's. L'épée de Michel. So it was the sword of Michael that destroyed the Nephilim in Jericho. Donc c'était l'épée de Michel qui avait détruit les Nephilim à Jéricho. Wow. So it was Michael that was behind. Donc c'était Michel qui était derrière. Joshua. Joshua. Yes. And guess what? Et devinez quoi? Some of them still escaped. Et certains d'entre eux encore ont une nouvelle fois échappé. And I'll show you where they ran. Et je vais vous montrer où ils étaient partis. All this I'm teaching, I've not yet started with my message, even last Sunday. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Je suis juste but dans I'm les believing, I'm trusting God, if I can start this week, now the proper message, why, how to exercise dominion over this. All these things, introduction. Je crois que tous ceci ne sont que des préliminaires et nous allons nous introduire dans le vif du sujet. And guess what? Et devinez quoi? The rain. Ils ont fui. They took off. The city of Arba. La cité d'Arba. The father of Anak. Le père d'Anak. It was given. Avait été donné. To Caleb. À Caleb. Caleb took over. Caleb avait pris le contrôle. So you need to dominate over the cities of your enemies. Donc vous devez dominer sur les villes de vos ennemis. You need to take control over the witches what they took from you. Vous devez prendre le contrôle de toutes les richesses qu'ils ont volées. You could see that the seed of Anak, they are very intelligent. Vous pouvez voir que la postérité d'Anak était très rusée. They possess the city and the nation that God was supposed to give to the seed of Abraham. Ils avaient possédé. Before them to step them they already there. À la postérité. You can see how smart they were. Vous pouvez voir combien rusés ils étaient. Those people. Ces êtres. They are smart. Ils sont très rusés. They are intelligent. Ils sont très intelligents. You bring him here, he's genius. Vous pouvez l'emmener ici, ils sont des génies. Ha! They can cause you. They can build for you a computer. Ils peuvent même mettre. They can put Microsoft inside the computer. Ils peuvent mettre des logiciels Microsoft. They are intelligent. Ils sont dotés d'une grande intelligence. They precede
Ils sont donc précédés. Where the promised land of the seed of Abraham from Adam. They preceded their promised land. They were already there, possessing the land. How did they know? How did they discover? Comment savaient-ils? Comment est-ce qu'ils avaient découvert? That's why the witches in your family, you do not know how voilà they already occupy. Les sorciers de la famille, vous ne pas savoir comment ils sont déjà occupés. The place where you are supposed to be. Les places où vous devez être. They precede already the destiny. Ils yes, sont sir. Déjà précédé votre destinée. Blocked educations. Votre because they know through education, somebody in the family will arise very great. À travers les études, quelqu'un va devenir grand dans la famille. They block the finances. Ils bloquent les finances. Because they say through the finances, these people they are going to build the greatest church in the parce world. Parce qu'ils savent qu'à travers les finances, ils vont bâtir des grandes. They went ahead and they block you. Et ils anticipent et bloquent. So they are very, they have an prophetic and intelligence. Donc ils ont une intelligence prophétique en quelque sorte. Because himself, the dragon was a prophet. Parce que lui-même, le dragon était un prophète. That's why he had the allowance to lie to the 400 prophets. How can you lie to the 400 prophets to prophesy that king you'll win your battle? You win your battle. Comment peux-tu mentir aux 400 prophètes pour dire roi tu vas gagner la bataille? In First King. Dans les livres de un roi. Why? Pourquoi? He carried their prophetic atmosphere as well. Donc ils amènent une atmosphère prophétique avec eux. Satan. Yes. Satan, Lucifer. Yes. Lucifer, he can carry the prophetic atmosphere. Il peut emmener une atmosphère prophétique. That's why he only dwells where also prophets are. Voilà pourquoi il réside là où les prophètes se trouvent. To pick the intelligence of the prophets. Pour dérober l'intelligence des prophètes. He knows the prophetic. Il connaît le prophétique. But he's not prophetic. Mais yes, il n'est pas prophétique. He is not prophetic. Il n'est pas prophétique. But he knows the prophetic. Mais il connaît le prophétique. This being is crafty and is ces cunning. Êtres sont rusés. That's why I say people they do not know who they deal with. They don't have an voilà idea. Pourquoi les gens n'ont aucune idée. Christians des have no idea. Some of them. N'ont aucune idée. Certains d'entre who eux. They are dealing with. Ils n'ont aucune idée de qui that person can study avec. You well. He studies you. Ces êtres vous étudient. You can de see their intelligence now. They brought it and they sent it through technology. Vous pouvez voir que leur intelligence, ils l'ont amené, l'ont transféré dans le domaine de la technologie. So technology right now is revealing their intelligence, the smartness of who and how they are. La technologie actuelle révèle leur intelligence et leur degré de connaissance. Technology today can predict. Yes, tomorrow. Tomorrow. Yes. La technologie aujourd'hui peut même prédire ce qui arrivera demain. So they removed their brain and intelligence and injected it in the mountain of technology. Mm. Ils ont donc retiré leur cerveau, leur intelligence et ils l'ont injecté dans la montagne de la technologie. Technology can prophesy to you. La technologie peut vous prédire. It can tell your name. Peut même dire votre can, nom. If you put your face like say, ah, si vous mettez after votre six visage, years, this is how you look il like. Il peut dire après 5 yes. ans, c'est isn't comme it? Ça que votre yes. visage sert. Technology can tell you la if you are lying peut vous dire si vous in your heart or you're saying the truth. Yes. Dans votre cœur ou bien vous dites la vérité. Technology. La technologie it can even access your heart peut même accéder à votre cœur. To tell if you are lying or you're vous, saying the truth. Pour vous yes. dire si vous dites la vérité ou vous mentez. In the prison. Dans yes. la prison. To criminals, yes. When they're investigating them, yes. So the CIA uses avec le détecteur des mensonges. Jesus. So their prophetic intelligence it in technology. Donc leur intelligence prophétique ils l'ont transféré au niveau de la technologie. And that is also the Antichrist will come. Et c'est ce qui va permettre à l'Antichrist de faire ce qu'il fera. Jesus. So, alors, they moved in Jericho. Ils s'étaient déplacés à Jéricho. And again, Jericho. Et à partir de Jéricho, they are scattered. Ils se sont éparpillés. Where have they gone? Où étaient-ils donc partis? Tell us, my father. Where? Où? They went to occupy another place. Ils sont allés occuper une autre place. Now their battle, they are no longer battling the angel. They began now battling the seed of Abraham. Donc ils n'étaient plus en train de combattre les anges, mais ils étaient maintenant en train de combattre la postérité. Have you seen that? Yes.
and they begin battling the seed of Abraham through Israel. Ils commencent à combattre la postérité d'Abraham à travers Ismaël. Israel. Israël. So all the seed that is coming from Israel. Alors toute les, la postérité qui découlait d'Israël. They wanted to destroy it. Ils voulaient détruire cela. So Satan got the right tracking. Ah, this is the seed where now God prophesied et to Satan Genesis 3. Fait une tracé ah, now we found where. Ça, c'est la postérité we found where the authority will come from that will crush our head. It will je be in Israel. Vois maintenant d'où l'autorité viendra qui va écraser notre tête. Ça sera à travers Israël. So they started focusing in Israel. Ils ont commencé à se concentrer sur Israël. To destroy it. Pour détruire Israël. But guess what? Mais devinez quoi? God knows how to hide his seed. Dieu sait comment protéger sa postérité. Oh, praise God. Praise God. I want to tell someone here. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit. It doesn't matter how fast the enemy preceded you. Peu importe combien l'ennemi a anticipé ta vie. You are going to take control of your city. Tu vas reprendre le contrôle de ta ville. Amen. 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 Ah. Yes, sir. Imagine Satan preceded the destiny of David. Imaginez Satan va anticiper la destinée de David. Ahead. Il est allé en avant. To attack him. Pour l'attaquer. To cause his leadership to fall. Pour faire en sorte que son leadership tombe. By adultery. À travers l'adultère. Jesus. They preceded the destiny of Solomon ahead. Il avait anticipé la destinée de Salomon avant. By sending strange women. En envoyant des femmes étranges to Salomon. À Salomon. I don't know. I wanted to tell you a secret today, but j'aimerais I don't know how I can tell you. Aujourd'hui, mais je ne sais pas comment le dévoiler. The secret delivers our Father. Le secret va nous délivrer, Père. I'm taking you somewhere, then I'll bring you. J'aimerais vous emmener quelque part. Since ensuite, you have nous allons revenir. Yes, okay. Yes, Papa. Do you know? Est-ce que vous savez? A lying tongue of a woman. Que la langue trompeuse d'une femme. Is more anointed. Est beaucoup plus ointe than anointed man. Que la langue d'un homme moins. Say that again. Répétez-le s'il vous plaît. Jesus. La langue trompeuse d'une femme. Wait. Est plus ointe que la langue d'un homme. A lying tongue. La langue trompeuse. Of a woman. D'une femme. Is more anointed. Et beaucoup plus ointe. Than a man anointed. Que un homme oint. By the anointing. By God. That lying tongue. Cette langue trompeuse, mensongère, destroy, peut détruire. As much you anointed. Même si vous êtes, quel que soit le niveau de votre onction. I'm telling you. Je vous le dis. I thought you wanted to know. Je pensais que vous vouliez le savoir. It's sinking. Let me prove to you. Yes, Papa. Proverbe. Je vous emmène dans les livres des Proverbes. Chapter 6. Proverbes, chapitre 6. Are you there? Est-ce que vous y êtes? Now, let's go to chapter 5 first. Nous allons lire le chapitre 5. Verse 1. Verset 1. Verse 1. Mm-hmm. Read it. My son. My son. Mon fils. Pay mm-hmm. attention to my wisdom. Mm-hmm. Turn your ear to my words of insight. Mm-hmm. That you may maintain discretion mm-hmm. and your lips
may preserve knowledge. For the lips of the adulterous woman. For the lips. The lips of the adulterous woman. Adulteress woman. La femme adultère. Will do what? Drip honey. Drip honey. And her speech. And her speech will do what? Is smoother than oil. Smoother than oil. When you talk about oil, you are talking about the anointing. Lorsqu'on parle de l'huile, on parle de l'onction. Her tongue has honey. You between honey and oil. Which one will you choose? Miel. Between honey and oil, which one will you choose? Entre le miel et l'huile, qu'est-ce que vous allez choisir? Oil. Stop. Stop. Arrêtez. You have to be true. I'm not putting your ministry in danger. Yes. But in reality. En danger, yes. Dans la réalité, entre le miel et l'huile. Which one? Because honey is more healthy. Honey is sweeter. So it's sweeter. Le miel est beaucoup plus. Even the Bible says compare the word of God as honey, not as oil. Yes. Honey. Même la Bible compare la parole de Dieu à so à the la, tongue miel. Of adulterous woman, it knows the power of the secrets of the words. Donc la langue de la femme adultère connaît le pouvoir du secret des mots. So it is telling you the word is superior than the anointing. C'est pour vous dire que les paroles sont supérieures à l'onction. From her tongue. If you know how to speak, si vous savez comment parler, you can even deviate the ways of an anointed man. Vous pouvez même dévier les voies d'un homme oint. So, great men in the world today they fail because of alors, an adulterous woman. Les grands hommes dans ce monde sont tombés à cause des femmes adultères. Your anointing cannot protect you from an adulterous woman. Ton onction ne peut pas te protéger d'une femme adultère. As much you anointed, quel que soit le niveau de ton onction, she will take you down. Elle va te faire tomber. Their levels. Leur niveau. Their levels. Their levels were. Where you can resist the devil. Il y a un niveau où vous pouvez résister au diable. But the level, mais il y a également un autre niveau. You should run away from his temptation. Où vous devez fuir. Prendre vos pieds à votre cou et fuir. Amen. Amen. Are you seeing that? Est-ce que vous voyez cela? Yes, my father. I'm also seeing verse 4. Je suis également en train de voir le verset 4. But in the end, she is bitter as gall, sharp as a double-edged sword. Who is that? De qui parle-t-on? They are comparing an adulterous woman, adultère, like the word of God, à la parole de Dieu, which is double, a double-edged sword, edged sword, qui est une épée à double tranchant. Hey. Honey is superior than the oil. Le miel est supérieur à l'huile. That's why Elijah. Voilà pourquoi Élie. When Jezebel spoke words. Lorsque Jezebel a déclaré des paroles. He knows here my anointing cannot save me. Il savait que son onction ne pouvait pas le sauver. He has to run away. Et il devait fuir. Dalila. Yes. With an anointed Samson. Face à un Samson, Samson thought his anointing will save him. Samson pensait que son onction allait le protéger. But the words of Dalila took down the anointing of Samson. Dalila ont fait tomber l'onction de Samson. If the enemy cannot catch you anywhere, he will catch you by the words of an adulterous woman. En quoi que ce soit, il cherchera à t'arrêter à travers les paroles d'une femme adultère. If he can't catch you by pride, s'il ne peut pas te if he can't catch you by lust, s'il ne peut pas t'attraper à travers la he will catch you by an adulterous voice. Il va t'attraper à travers la femme adultère. You can see that.
Vous pouvez voir cela. That's why Samson, as much anointed, Solomon, as much anointed, the enemy say, you have received, you have received all the powers, the anointing of the world. Let me just send to you strange woman. Le diable avait commencé à lui envoyer des femmes qui étaient totalement étranges. And the Bible said the heart of Solomon departed, departed. Et la Bible dit que le cœur de Salomon s'est séparé du Seigneur. By adulterous woman. À travers les femmes adultères. When you are anointed, quand tu es oint. I salute you. Je te salue. But run away. Mais fuis. The adulterous woman. Les femmes adultères. Yes, my father. Your anointing cannot protect you. Ton onction ne pourra pas te protéger. That one. Cette arme-là. You run it by discipline. Vous devez le fuir et y échapper à travers la discipline. Your prayer will not save you. Vos prières ne vont pas vous sauver. It is your discipline of the body. C'est votre discipline du corps. That can cause you to run away from Elijah and from Jezebel. De fuir de Jezebel. The adulterous woman. La femme adultère. Your discipline. Votre propre discipline. And you know what? Et vous savez quoi? Oil, l'huile, attracts, attire, honey, le miel. Oil. Lui attracts attire virgin les vierges. The more anointed you are, plus vous êtes oint, the more beautiful women you will attract. Plus de belles femmes seront attirées. I don't know why I'm speaking this today. Je ne sais pas pourquoi je le dis aujourd'hui. The more anointed you are. Yes, that's why when David. Quelle que soit votre onction, voilà pourquoi David. When the anointing began to manifest in his life, lorsque l'onction commença à se manifester dans sa vie, the Bible say the women of the town, que les filles de la ville, began singing, ont commencé à chanter. David, Saul killed 1,000. Saul a tué 1,000. And David killed 10,000. David a tué 10,000. So another sign for you to see that you are anointed. Un autre signe pour voir que vous êtes oint. It is by you seeing how much mouth and lips of the c'est women they are singing your song. De voir combien des lèvres des femmes chantent des cantiques en votre honneur. That's why you can see even the ministry of Jesus. Voilà pourquoi vous pouvez voir que durant le ministère de Jésus, just filled with a lot of women. Il y avait également beaucoup de femmes autour de lui. It is the ministry of the women that supported the ministration of the women that supported the ministry of Jesus. C'est aussi le ministère des femmes qui supportait le ministère de Jésus. You see? So your anointing does not chase the adulterous woman. It actually attracts the adulterous woman. Donc votre onction ne chasse pas la femme adultère, mais l'attire plutôt. Now it is your discipline. Donc c'est votre discipline. The discipline of your flesh. La discipline de votre corps. That's why Paul says, I treat my body hard. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Very hard. Durement. Why? To contest against when the things will come. Pour s'élever contre la tentation lorsqu'elle se présente. You put barriers of discipline. Tu mets déjà la barrière de la discipline. When I looked at the great man, Billy Graham. Quand je vois le grand homme qui était Billy Graham. Which I salute. Je le salue. Memories of Billy Graham. Je rends hommage à la mémoire de Billy Graham. He could never accept a woman. Il ne pouvait jamais accepter une femme. In his car. Dans sa voiture. When he's alone. Lorsqu'il est even seul. If it's a church member. Même si c'était un membre de l'église. He will pass you. Il devait la chercher. He will say hi to you, he drives off. Il va juste vous saluer et passer, ne pas vous embarquer. Discipline. La discipline. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. He had his office. Il avait son bureau. There and opposite, it was the wife office. Et à côté de son bureau, il avait le the bureau wife de sa is looking at his office. La femme regardait à son bureau. He looking at his wife lui office. Regardait au bureau de sa femme. So anyone is coming to his office. Et toute personne qui entrait dans son bureau. Doors are open. Les portes étaient grandement ouvertes. Wife has access to see. La femme pouvait voir ce qui s'est passé. Why? Pourquoi? Discipline. La discipline.
Your anointing can never protect you. Ton onction ne peut pas te protéger. It's your discipline that will protect you. C'est votre discipline qui va vous protéger. Yes. So don't blame people who are fallen. Donc ne blâmez pas les gens qui tombent. Jesus, they didn't have discipline. C'est juste des personnes qui n'avaient pas assez de discipline. The anointing could not cover them. L'onction ne pouvait pas les couvrir. But they didn't have discipline. Mais ils ne savaient pas de discipline. To treat their body hard. Pour traiter durement leur corps. Can I go a little bit deeper? Est-ce que je peux aller encore beaucoup plus en profondeur? Where's my iPad? Now. What time is it? So let's stop here. Dois-je arrêter ici? It's time to go deeper. C'est le temps pour nous d'entrer en profondeur, papa. Jesus made a statement. Jésus a fait cette déclaration. OK? Yes. Watch me very carefully. Suivez-moi attentivement. Jesus made a statement. Jésus a fait cette déclaration. He looked at Peter. Il a regardé à Pierre. Before the temptation to come. Avant que la tentation n'arrive. The Bible says he went to pray. La Bible dit qu'il est allé prier. And when he came back. Et lorsqu'il est revenu, he saw them asleep. Il les a vus endormis. What was his statement? Quelle était ses déclarations? Wake up. Réveillez-vous. Surely. Sûrement. The body is weak. La chair est faible. Weak. Faible. Weak. Faible. But the spirit. Mais l'esprit. Is willing. So in another word, the spirit is strong. L'esprit est fort. Check me here. Suivez-moi. The spirit is. L'esprit est fort. Let me show you. Je vais vous montrer quelque chose. Every time you dwell in this body. Toutes les fois que vous êtes dans ce corps. You'll be weak. Vous serez faible. When you shift from your body, lorsque vous sortez de la domination and you de enter corps, to the spirit, et vous entrez dans that is the moment you become strong. C'est alors que vous devenez fort. As I am here now, comme je suis là maintenant, if I dwell in this body, si je réside dans le corps, if I bring myself to be in this body, si je me connecte à la chair, I will exhibit signs of weakness. Je vais commencer à faire manifester des signes de faiblesse. Therefore, I will not dwell in this body. Et je ne pourrai pas résider dans le corps. I'll dwell in the spirit realm. Plutôt, j'irai dans le domaine de l'esprit. But I'll let Jesus to dwell in this body. Et je vais laisser Jésus demeurer dans ce corps. Because it's weak. Parce que ce corps est faible. That's what the Bible says. It's no longer I who live in this body. Voilà pourquoi la Bible dit ce n'est plus moi. But qui it is Christ who lives. Mais c'est Christ. So if I don't live here, then why will I live? Parce que si je ne that means pas I have another place I live. Il y a un autre where où je vis. In the spirit where dans strength is. Là où la force se trouve. Thank you, Jesus. So you begin to exhibit signs of lust. Donc vous allez commencer à manifester les signes de la weakness, la faiblesse. When you are in this body. Lorsque vous êtes dans ce corps. That's why it is dangerous. Voilà pourquoi il est très dangereux. Why am I telling you these things? Pourquoi je vous dis toutes ces choses? That's why it's dangerous when a man of God comes out of the pulpit. Voilà pourquoi il est dangereux pour un homme de Dieu lorsqu'il est devant la chair. That's hours. Pendant ces heures là. That minute. Dans ces minutes là, of you stepping out of the pulpit, lorsque tu quittes la chair, and going your house, et que tu house, rentres dans ta maison, or getting in touch with people, et que tu commences à communiquer avec les gens, it's a moment, it's called it chaos moment. C'est le moment qu'on appelle le moment du chaos. Very dangerous moment. C'est un moment extrêmement dangereux. Because you are shifting from the place of the realm where you are. Parce que vous avez quitté le and you are entering to the realm of the flesh. Vous êtes entré dans le domaine de la chair. This is the place where you can exhibit weakness. That is the place donc you become a husband. This is the place where you become a brother. This is the place you become frère. A son of a mother. C'est la place où vous devenez or a father. Mère, you are no longer père. The preacher on the pulpit. Vous n'êtes plus le prêcheur qui était sur la chair. It's a very dangerous time. C'est un moment très dangereux. Dangerous. Dangereux. That's why Jesus, every time he'll do a ministration, a service, voilà pourquoi quand Jésus he will return to the flesh. So the only way for him to return back quand to the spirit, dans la chair, it was by him isolating himself to the mountain in prayer. C'était lui d'aller dans la montagne et de s'isoler. So you return back to the place of strength in the spiritual realm. Il retournait dans la place de l'esprit through prayer la force à travers la prière. And fasting. Et le jeûne.
If you begin to exhibit weakness in prayers, si vous commencez à manifester des faiblesses dans la prière, it is an attack. C'est une attaque. For you to remain weak. Qui veut vous maintenir dans la faiblesse. If you can't pray. Si vous n'arrivez plus à prier. Can I tell you another thing? Est-ce que je peux vous dévoiler une autre chose? Can I give you another law of the spirit? Yes. Est-ce que je peux vous révéler une autre loi de l'esprit? I've just spoken to you the laws of the spirit, but you didn't understand it. Je suis en train de vous divulguer les lois de l'esprit, mais certains ne comprennent pas encore. Do you know? Yes. Est-ce que vous savez? I will just reveal to you one thing. Je vais juste vous révéler quelque chose. Only one. Une seule chose. And then I'll take you back to the. Ensuite, nous allons revenir. Do you know, for you to notice a sign? Savez-vous pour vous pour remarquer un signe? That someone has a demon in him. Que quelqu'un a un démon en lui. Do you know the sign? Savez-vous le signe? Tell us. Do you know the sign is not by you drinking? Vous savez que le signe ce n'est pas à travers l'ivrognerie. Those are just last manifestations. Ça ce sont juste les manifestations ultérieures. Do you know when a Nephilim enters the body of somebody? Savez-vous que quand un néphiline entre et possède le corps de quelqu'un? You want me to show you? Voulez-vous que je vous montre ici? Go to the book of Mark. Nous allons dans les livres de Marc. Are you there? Vous y êtes? Yes. Chapitre 4. Au chapitre 4. Oh, or even, wait a minute. Before me to take you in that place. Avant que je ne vous emmène dans ce passage. Come with me in the book of chapter 8. Venez avec moi au niveau du chapitre 8. Verse 14. Verset 14. Mark chapter 8, verse 14. Mm-hmm. The disciples had forgotten to bring bread. Chapter 8, verse 14. Mark chapter 8, verse 14. Yes. Or is it 9, chapter 14, verse 14? Or 9? Mm-hmm. Allons plutôt au chapitre 9, verset 14, s'il mm-hmm. vous plaît. Mark chapter 9, verse 14. Mm-hmm. When they came to the other disciples. Aha. They saw a large crowd around them from the Transfiguration Mountain. Mm-hmm. And the teachers of the law arguing with them. Uh-huh. As soon as all the people saw Jesus, mm. they were overwhelmed mm-hmm. with wonder mm-hmm. and ran to greet him. Yeah. What are you arguing with them about? He mm-hmm. asked. Look at the argument. Uh-huh. A man in the crowd answered, mm. Teacher. I brought you my son who is possessed. Possessed by what? By a spirit. By a spirit. That has robbed him of speech. Aha. So the purpose of that spirit was what? To rob him of speech. L'objectif de cet esprit était de le rendre muet. So that means this spirit. Cela signifie que cet esprit. Only animals, they cannot speak. Il n'y a que les animaux qui ne parlent pas. Okay. I'll take you there another time. Let's go. Je vous emmènerai là une autre fois. Whenever it seizes him, mm-hmm. it throws him to the ground. To the ground. He forms at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. Uh-huh. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. They could not. You unbelieving generation, uh-huh. Jesus replied. Yes. How long mm. shall I stay with you? Mm-hmm. How long shall I put up with you? Mm. Bring the boy to me. Uh-huh. So they brought him. Yes. When the spirit saw Jesus, mm.
It immediately threw the boy into a convulsion. Uh-huh. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Uh-huh. Jesus asked the boy's father, for how long has he been like this? From childhood, the father answered, it has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you, come out of him and never enter him again. And what happened? The spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse. Repeat that one. The spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse that many said he is dead. He is? Dead. He is? Dead. There's another scripture. Il y a un autre passage. The Bible say, la Bible dit, when Jesus came back to the town, lorsque Jésus est revenu dans la ville, a chief of the synagogue, un chef de la synagogue, came to running to Jesus. Et est venu en courant. My son, et lui a dit, mon is fils possessed. Est possédé. Please speak or do something. S'il te plaît, viens, parle, fais quelque chose. Yes, Holy Spirit. And suddenly, et soudainement, the son said what? L'enfant the father said what? Le père, qu'est-ce qu'il avait dit? He said, I have people on authority. Il a dit que j'ai des gens sous mon autorité. Whatever I send to them, tout ce que je leur demande, they go and do it. Ils vont et le font. And Jesus said, what great faith do you have? Et Jésus lui dit, tu as une grande foi. Va. Your son is well. Et ton fils est guéri. And when he went back, et lorsqu'il est revenu, the son was well. Le fils était totalement. The son was what? The son was asleep. Le fils était en train de dormir. Here? Ici? A corpse. Un corps. When the demons came out? Lorsque le démon est sorti, he was laid. Il était like a corpse. Terrassé comme so un mort. So that means in a deep sleep. Donc cela signifie qu'il était dans un profond sommeil. Do you know you die when you go to a deep sleep? Vous savez que lorsque vous êtes dans un profond sommeil, vous êtes comme un mort. Now this is a secret. Voici maintenant le secret. When someone, lorsque quelqu'un, can never, ne peut, can never, ne peut, enter, entrer, into a deep sleep, dans un sommeil profond, to sleep, pour dormir, there's a demon in that person. Il y a un démon dans cette personne. Why? Pourquoi? Demons don't sleep. Les démons ne dorment pas. They'll torment you. Ils vont te tourmenter. In your moment of sleep. Dans tes moments de sommeil. For you never to sleep. Pour que tu ne dormes pas. That's why. Voilà pourquoi. When a demon has to come out. Lorsqu'un démon doit sortir. Someone has to be on the ground. Quelqu'un doit être par terre. Asleep. Comme quelqu'un qui dort. Silent. Silencieux. So that means the night of that person. Cela signifie que les nuits de cette personne was tormented. Étaient des nuits de tourment. Because those demons are tormented. Parce que ces démons étaient en train de le tourmenter. Demons themselves are tormented. Les démons eux-mêmes sont tourmentés. So when they entered in you, alors quand ils entrent en vous, they torment you. Ils doivent te tourmenter you aussi. Can't sleep. Vous ne pouvez pas dormir. That's the moment whereby when you don't sleep in your body, c'est le moment où vous ne pouvez pas dormir dans votre sicknesses corps. Come up. La maladie va se manifester. They start operating through that sickness. Ils doivent maintenant opérer à travers cette maladie. And the situation of the person become et la situation de cette dangerous. Personne devient de plus you en plus dangereuse, critique. Medicine of, tu commences à prendre des médicaments of, pour les insomnies, pressure, pour medicine of want to sleep, la dépression, because you can't sleep. Parce que tu veux dormir, tu n'arrives plus à dormir. Because you are seeing things. Parce que tu vois des choses. You know when you are stressed. Vous savez lorsque vous êtes stressé. Until in a place you cannot sleep. Jusqu'au point où vous ne pouvez pas dormir. There's a demon in you. Cela signifie qu'il y a un démon en vous.
I believe someone is getting delivered now. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me suit qui est délivré maintenant. When the whole night you are just eyes like this. Lorsque toute la nuit vous avez les yeux écarquillés. Unless the spirit of God wants you to pray. À moins que l'esprit de Dieu veuille que vous priez. But the Bible says, "I give sleep to those that He loves." Dieu donne le repos durant le sommeil. And it is through sleep that God reveals Himself to you. Et c'est à travers le sommeil qu'il se révèle à vous à travers des visions. And here you cannot sleep. Et là, so that means it is even an attack for you and your communication with God. C'est une attaque entre votre communication avec Dieu. Remember, His mission is what? Rappelez-vous, to destroy holiness. C'est de détruire la sainteté. To destroy holiness, the devil. De détruire la sainteté. Anything that is purity. De détruire la pureté, la crainte de Dieu. So to cut your communication with God. Il a coupé la communication avec Dieu. When you're stressed, you can't pray. Lorsque vous êtes stressé, vous ne pouvez pas prier. You can't sleep. Vous ne pouvez pas dormir. A demon had access. Et un démon aura donc accès. That's why I was saying, guard your heart. Voilà pourquoi. Because out of it come the issues of life. Parce que les sources de vie viennent if de votre money corps. Brings you stress. Si l'argent vous stresse. Then that is the place Satan could see. Donc c'est l'endroit où que Satan peut voir. That he can enter to cause a demon to dwell in. Où il peut entrer et permettre un démon de résider en vous. Stress. Les stress. Their cancer can be bad. Other sickness can be bad. C'est alors que le cancer peut se manifester. D'autres maladies peuvent se manifester. Hypertension. L'hypertension. Migraine headaches. Migraine headaches. Because you can't sleep. Le surménage parce que vous n'arrivez pas à dormir. Je peux vous le montrer. It is proved that Michael Jackson. C'est, ça a été prouvé que Michael Jackson was not sleeping anymore. Ne dormait plus. He started taking medicine off. Il a commencé à prendre sleeping. Des médicaments. Still, it was not working anymore. Mais ça ne marchait pas. You somebody can enter to a realm of demon manifesting in him until sleep disappears. Quelqu'un peut entrer dans un niveau où les démons commencent à se manifester jusqu'au point because le sommeil disparaît. Because themselves they don't sleep. Parce que eux-mêmes ne dorment pas. Then why will they let you to sleep? Et pourquoi est-ce qu'ils vont vous laisser dormir? Your body is their manifestation, so they can do things. Votre corps l'aide à se manifester pour qu'il fasse des choses. So if I deliver you, si je vous délivre, the only sign for me to see that you're delivered, le signe pour voir que vous êtes délivré, I'll say go and sleep. Je vais vous dire allez dormir. If you sleep well, si vous dormez confortablement, just know you are delivered. Alors vous saurez que vous êtes délivré. There's another proof. Il y a une autre preuve. Jesus gave a statement to the disciples. Jésus a dit cette parole à ses disciples. I love Jesus. J'aime Jésus. He said, il a dit, our friend Lazarus notre is asleep. Frère Lazare est en train de dormir. He's asleep. Yes. Dort. In a deep sleep. Yes. Il a un and the disciples said what? Master. Et les disciples ont dit, mais. Then that is good. Alors là, c'est une bonne nouvelle. That means he's in his way of recovery. Cela signifie qu'il est sur la voie de guérir. From his sickness. De sa maladie. So that means sleeping. Cela signifie que dormir. Well. Bien dormir. Is a sign. C'est un signe you are blessed. Que vous êtes béni. You can sleep from 10 p.m. and you wake up at 8 a.m. Vous pouvez dormir de 22h jusqu'à 8h. Thank you Jesus. Vous étirez dit, oh, merci sometime, Jésus. Quelque temps. You are you not all the time. Pas tout le temps. Not all the time. Pas tout le temps, quelquefois. You understand? Yes. Because as a spiritual person, you're supposed to wake up during the night to pray. Parce que and then you go back to sleep. Spirituelle, vous devez vous lever la nuit pour prier et aller vous rendormir. That's why children sleep like babies. Voilà pourquoi les enfants dorment comme les bébés. Peacefully. Dans la paix. There's nothing. Il n'y a rien. Is it this sleep? Is it also rest? It's rest. Est-ce que ce sommeil est également un repos? Anyone who you are tormented in your night, toute personne qui est tourmentée durant ces nuits, I declare your deliverance. Déclare ta délivrance. Receive your deliverance. Receive it in Jesus' name. That tormentation of that demon, so come out. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. From today, sleep well. À partir de ce jour, dormez paisiblement. Now, can we close this up for today? Est-ce que nous pouvons conclure pour aujourd'hui? Adalukes kaparakasikita. Okay.
let me show you now. Let me just finish by showing you from Jericho where they ran, right? J'aimerais maintenant conclure en vous montrant de Jéricho où ils étaient réfugiés. And then we are going to close for today. Et alors nous allons conclure pour aujourd'hui. Now. Maintenant. Do you know witches don't sleep at night? Est-ce que vous savez que les sorciers ne dorment jamais la nuit? Why? Pourquoi? Because that is their time. Parce que c'est leur temps. To torment others. Pour tourmenter les autres. From their sleep. Dans leur sommeil. The biggest battle. La plus grande bataille. For a human being. Pour un être humain. Is your sleep. C'est votre sommeil. Because your sleep is an interruption with God. Parce que votre sommeil vous permet de communiquer avec Dieu. It is through sleep that God can communicate to you a message. Sommeil que Dieu peut vous communiquer des messages. There is an accident coming. Peut-être qu'il y a un accident qui There vient. Is a sickness coming. Peut-être qu'il y a une maladie qui vient. And you see it in a dream. Et vous pouvez le voir à travers That's why even rêve. When you sleep, you don't dream. Voilà pourquoi lorsque vous dormez, vous ne rêvez pas. It's a demonic attack. C'est une attaque démoniaque. A man is supposed to dream every day. Un homme doit rêver chaque jour. You dream every day. Vous devez rêver chaque jour. Yes, my father. The Spirit is telling me something. Le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. I don't know if I will have told you these things, but I've told it online. Je ne sais pas online, si je dois dire ces choses. But it's for private teachings. Mais je vais les donner pour des enseignements privés. So it's some teaching for only private people. Il y a des enseignements qui sont réservés à des personnes privées, mais vous receive such secret. Que je vous dévoile ces secrets. You are blessed. Vous êtes bénis. But let me close with this. J'aimerais conclure avec ceci. After Jericho. Après Jéricho. They escaped. Ils s'étaient échappés. The Anakai. Les Anakites. So you can see the Nephilim. Vous pouvez voir les Nephilim. They changed to Anakai. Ils sont devenus des Anakites. See their names. Yeah. Vous voyez les noms. I'll tell you also what their names today. Et je vais vous dire leurs noms aujourd'hui. After the Anakims, après les Anakites, they moved. Ils se sont déplacés to a nation that was facing Israel. Dans une nation qui faisait face à Israël. Where? Où? Philistines. Yes. Les Philistins. The Philistines. There we can see the tracks of Goliath. Et là nous pouvons voir le personnage Goliath. Jesus. You see how they escaped? Yes. Vous voyez où ils s'étaient échappés? In the Philistines. Dans les Philistins. And in the Philistines, you can see the god was Dagon. Et vous pouvez voir que dans les Philistins, leur dieu s'appelait Dagon. Time will cause me problem if I can explain to you who was Dagon. Le temps nous manque. Je pourrais pu vous dire qui était Dagon. And that is the first city that ever stole the Ark of Covenant. C'était la première cité qui avait volé l'arc de l'alliance des dieux. They came on to discover Israel has a secret. Ils ont même compris qu'Israël avait un secret. And that secret is what the Ark of Covenant. Et ce secret c'était l'arche de l'alliance. If we can bring it into our temple si of Dagon, le ramener dans le temple de Dagon. I'm about to say something very serious. Je suis sur le point de dire quelque chose de très sérieux. If we can take that Ark of Covenant and bring it in our si temple, nous pouvons prendre yes. cette arche de l'alliance et l'emmener dans notre temple. Not a tabernacle. Pas un tabernacle, un temple. Where Dagon was. Là où Dagon se trouvait. Dragon. Le dragon. Next to dragon. À côté du dragon. They placed it like this. Et ils l'ont placé comme cela. They said, now we want them. Et ils ont dit nous les avons battus. Because we took away their God. Parce que nous avons pris leur Dieu. Who was giving them victory. Qui leur donnait les victoires. That is the purpose of Satan. Ça c'est l'objectif du If diable. If he can only succeed to take away your faith. Si je peux simplement contrôler votre foi. You are done. Vous êtes fini. Then he can reach out to you. Alors il pourra vous atteindre. That's why the greatest battle is fighting you. Yes. Voilà c'est la grande bataille qu'il mène contre When vous. When he touches your children. Lorsqu'il yes. touche vos When enfants. When he touches your finances. Lorsqu'il yes. touche vos finances. His purpose is one. Yes. Son objectif est un seul. Let me take away his faith. Que je puisse détruire sa foi. Let me take away her faith. Que je dérobe sa foi. So she can remain powerless. Oh, alors la personne oh. deviendra impuissante. That is the moment someone begins to speak. C'est le moment des personnes commencent à dire Murmurings, des paroles vaines, complaining des against God. Commencent à murmurer contre Dieu. When you begin to complain against God, lorsque tu commences à murmurer contre just Dieu, know, sache your faith
que ta foi has been stolen. Yes. A été dérobée. Satan has asked. Satan a pris contrôle de cela. Now he has access in you. Alors il a donc accès en vous. Oh Lord. Someone is a proof to me. Quelqu'un peut me dire prouve-le. Joshua. Nous allons dans les livres de Josué. Hey Jesus. Adoka sikita igaluski mahata iskush kapanto ikipali koski prahandiska. Joshua chapter 11 verse 21. Very read it quickly. Joshua 11 verse 21. Josué 11 21. And Joshua came. Sorry, I lost it. I'm gonna get it right now. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche et il extermina les Anakim. Let mama read. Joshua 11 chapter 1 says, when Jabin, king of Hazor, heard of this, he sent word to Jobab, king of Madon. Verse 21. 11:21. At that time, Joshua went and destroyed the Anakites from the hill country, from Hebron, Debir, and Anab. And? Anab. And? Anab. Uh-huh. From all the hill country of Judah, and from all the hill country of Israel. Joshua totally destroyed them and their towns. No Anakites were left in Israelite territory. But what? Only in Gaza. Gaza? Gaza. Where is Gaza in the Bible? Où se trouve Gaza dans la Bible? Huh? Palestine. But in before Gaza is Philistine. Yes, the Philistine. So in another hour, when they ran away, they ran to five cities. Quand ils avaient fui, ils étaient allés dans cinq cités. Which I'm going to show you five cities that the Anakai ran to. Et je vais vous montrer les cinq cités. The first one is Gaza. Number two, Gath. We can see Goliath. Gath. Goliath. Are we in the Bible? Yes. Est-ce que nous sommes dans la Bible? So Gath, number three. And Ashdod, we can see where now the Ark of Covenant was stolen. Ashdod, c'est là où l'arche de l'alliance. Where Dagon was. Dagon s'est trouvé. Wow. My goodness. Stop there. Arrêtez-vous là. Or you can read verse 23 so they can see what vous God said. Également verset 23. And said only what? In Gaza, Gath, and Ashdod did any survive. They survived. 23. Yes. So Joshua took the entire land, just as the Lord had directed Moses, and he gave it as an inheritance to Israel, according to their tribal divisions. Then the land had rest. Now go to chapter 13, verse 1. Allez au verset 13, verset 1. Chapitre 13, 1. Joshua. Josué 13. 13, verse 1. Verset 1. The Bible says that. Joshua 13, verse 1, it says, when Joshua had grown old, the Lord said to him, he said what? You are now very old, and there are still very large areas of land to be taken to over. To be taken over. Why? To kill the seed of the Anakite. Pourquoi? Pour tuer la postérité d'Anakite. You can see now God is using the seed of Israel to destroy the seed of the fallen angels. You see the battle? Yes. Vous voyez la bataille? This is the land that remains. Yes. All the regions of the Philistines. Philistine. He mentioned the Philistine line. That is where the giants are. La terre des Philistins, les géants se trouvent. And the Geshurites. And the Geshurites. From the river Shihor, on the east of Egypt, to the territory of Ekron, on the north. All of it counted as Canaanite, though held by the five Canaanites, Philistines. The promised land. Canaanites, the promised land for Israel. They were there. La terre promise. Read it. All of it counted as Canaanite, though held by the five Philistine rulers in Gaza. And remember, rulers, cities, they control cities. That's what the Bible says. We take dominion over rulers, principalities, and powers. Yes, sir. So rulers, they dominate cities, and principalities, they dominate nations. Les principautés dominent les nations. I hear. I hear. So what is their five cities? What they were controlling? Gaza, number one. Ashdod, Gaza, Ashkelon, Ashkelon 3, Ashkelon. Gath, Gath 4, and Ekron 5. Stop there.
So now this time they distributed themselves to five cities. Donc, ils se sont répartis dans cinq villes. So God has to raise David now to conquer one city, which is the city of Gath. Donc David, Dieu a suscité David pour combattre et prendre contrôle de la ville de Gath. He killed Goliath. Tué Goliath. But the Bible says Goliath had other brothers. Et la Bible dit que Goliath avait d'autres frères. Oh. Which were where? In Gath, Ashdod. My God, Ashdod. Things are even moving. Ashdod. Yes. Agat, Ashdod. And other places. Gat and Ekron. Ekron. Yes, sir. Ekron. They were his brothers. They were his brothers. C'était ses frères. Oof. Hey, Jesus. Now, David also could not finish all of them. David aussi ne pouvait pas. Because one of the members of David killed another brother of Goliath, mentioned in the Bible. Yes. Parce que Jonathan également avait tué un des. But now here we are not talking about yet of Ashdod. Ici nous ne parlons pas encore d'Ashdod. Because Ashdod there where Dagon himself was sitting. Parce que c'est à Ashdod que Dagon lui-même. And by that David was no longer there. David n'était pas là. They went and they took the Ark of Covenant. Ils sont allés et ont dérobé l'arche de l'alliance. And you know, after taking the Ark of Covenant, après avoir dérobé l'arche de l'alliance, do you know, after finishing the Philistine, après avoir, do you know where are the Philistines today? Vous savez où I'm moving quickly now. The Philistines, les Philistins, they moved now. Se sont déplacés maintenant. Drop it, my father. To the synagogue. À travers la synagogue. The Bible said Jesus came. La Bible dit, Jésus and he looked at the Pharisees and the special and the specialists of the laws. And he says, seed of the viper, roots of vipers. Roots of vipers. So in another word, when they saw the Ark of Covenant, they said, so do we bring them in our temple? So that's why the Pharisees, they were dwelling in the synagogues. But they were not of God. They are seeds of evil. But they were in the house of God. But they are in the house of God. Mais ils sont dans la maison de Dieu. Now, okay, someone will say to me, let me say, no. Okay, let's see then. Let's see. Checkons cela, examinons cela. First John. Nous allons dans les livres de 1 Jean. Hallelujah. First John chapter 2 verse 18. Read it. 1 John 2:18. 1 John 2:18. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming. Wait. The name of the Nephilim. Le nom de Nephilim. Sent to Anakai. The Anakites, turned to Philistines. The Philistines, they turned to the Pharisees. And the Pharisees, the teachers of why? Because Israel went to associate themselves with the foreign land. Parce qu'Israël voulait s'associer avec les they went actually associated themselves with the foreign lands. And they bear what? Children with them. Yes, so in another word, the seed was compromised again. En d'autres termes, la postérité avait été compromise. And that by then, that is the time again the seed of the nanny entered à into the temple. Là, c'est alors que la postérité d'Anakite est entrée. Pharisees. C'était les Pharisiens. So from the Pharisees, à partir des Pharisiens, it will change to the Antichrist. Ça va maintenant mener à l'Antichrist. Today. Aujourd'hui. But it started from mais the ça a commencé avec les Néphilim. The Néphilim of today are the Antichrist. Les Néphilim and watch what he said. Les Antichrists. The Antichrist is coming. Is coming. Even now. Many antichrists where many have come. So in another word, their master is not yet there, coming, but he's coming. But his seeds are already around. Mais sa postérité déjà là. They have come. They have come. Mm-hmm. Ils sont déjà this venus. Is how we know it is the last hour. The last hour. They came out from where? They went out from us. From us. When you talk from us, we are talking about the church. Ils sont sortis de nous, de qui? The temple. De l'église. Synagogue. Du temple. The synagogue. De la synagogue. But they did not really belong to us. Belong to us, but they were with us. For if they had belonged to us, yes, they would have remained with us. Uh-huh. But they so are in another word,
For you to notice them among us, they are rebellious. Pour que vous puissiez les dénoter, ce sont des personnes qui sont rebelles. The same seed in the beginning. They are rebellious. When they come to church, they are only rebellious. When they come to church, they move from churches to churches. And they cause trouble in the churches. They cause people to rebel and to speak evil against men of God. They are always gathering people to gossip men of God. Because rebellion seed is in them. They are there to always put traps against men of God. Traps. Ils ont piégé les hommes de Dieu. That's what the Pharisees were doing. C'est ce que les pharisiens faisaient. But they are seeds of the Lucifer. Mais et pourtant ils sont la semence de Lucifer. Now they're in the temple. Et ils sont maintenant dans l'église. I thought we tracked them, right? Je crois que je vous ai conduit dans ce voyage, n'est-ce pas? We tracked them. We found them. May God spare you. Que Dieu vous épargne. May the Lord spare you. Que Dieu vous épargne. The seed went even as much closer to the Savior Jesus. La semence est allée même pour être proche du Seigneur Jésus-Christ. Judas. À travers Judas. He was next to the Ark of Covenant. Il était près de l'arche de l'alliance. Jesus. Jésus and Dagon. Et Dagon. Ark of Covenant. L'arche de l'alliance. And Dagon. Et Dagon. Judas. Judas. And Jesus. Et Jésus. They were close. Ils étaient proches. Judas. Judas. Was getting money. Lui, il était dans le domaine des finances. Dagon. Ark. Dagon était dans l'arche. If you study Dagon, you will know what I'm talking about. Si vous étudiez Dagon, vous connaîtrez ce que je suis en train de dire. So you can see the battle is big. Donc, vous pouvez voir que la bataille. If today we have churches today, aujourd'hui, it's just to fight the seed of evil. C'est pour combattre la semence du mal. Conquering. Conquérir cette semence. That's why the Bible says we are in a warfare time. Voilà pourquoi la Bible dit que we have no time to waste. Spirituel. On n'a pas. That's why we have to win souls. Nous devons gagner les âmes. And by your shock, do you know Jesus? As I close. Vous vous choquez. Vous savez que Jésus, alors que j'étais. Do you know Jesus? Savez-vous que Jésus didn't die for the world? N'est pas mort pour le monde. It is a mistake to say Jesus died for the world. C'est une erreur de dire que Jésus est God mort pour le monde. God loved the world. Dieu a aimé le and monde. And he gave his only begotten son. Il a donné son fils unique. That whomsoever shall believe in him. Pour que quiconque croira en lui. Jesus did not die for the world. Jésus n'est pas mort pour le monde. Died for a numbers of people. Mais il est mort pour un certain nombre de personnes déterminées. Which are numbered already. Qui sont déjà bien comptées. Which the Bible speaks about the seed of Abraham. Et la Bible parle de la postérité d'Abraham. In Galatians, he died only for the seed of Abraham. Il est mort uniquement pour la postérité. But he didn't die for the world. Il n'est pas mort pour le monde. Because if you say Jesus died for the world, si vous dites que Jésus est mort pour le monde. If you say that, si vous le dites, so that means he also died for the seed of Lucifer. Cela signifie qu'il est également mort pour la postérité du serpent Lucifer, ce qui est impossible. He only died for the seed of Abraham. Il est mort uniquement pour la postérité d'Abraham. How? Those who are the seed of Abraham, they will listen to me and they will say, "This man is speaking the truth." Comment? Ceux qui sont de la postérité d'Abraham vont m'entendre et diront, "Cet homme." But those who are the seed of Lucifer, they will resist my preaching. Ceux qui sont de la postérité de Lucifer résisteront à ma prédication. They say, "No, no, no, no." Et diront, "Non, non, 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 non." And Satan is very strategic. Satan he didn't put his seed as members; he put them as pastors and leaders in church. Il ne laisse pas sa semence comme simple membre d'église, mais il les place comme pasteur, prédicateur. Because anywhere he wants to go, he likes to dominate. Uh-huh. Parce que partout où il part, il aime dominer. To be at the forefront. To be at the forefront. D'être toujours devant. I've told you a lot today. Je vous ai dit, je vous en ai assez dit aujourd'hui. To God be the glory. À Dieu soit toute la gloire. Thank you, Mama. Thank you very much, Maranatha. Merci beaucoup, Maranatha. We have a teaching priest. Nous avons un. Surely, thank God for him. Et nous bénissons le Seigneur thank pour God sa for vie. The sacrifice. Merci pour les sacrifices. For taking time to hear from the Lord for our good. Pour we thank God that he has blessed this nation and nous the nations of the world qui a béni cette nation, with a teaching priest. À travers un thank grand you, enseignant. Papa. Merci, Papa. Thank you all that tuned in.
Merci à vous tous qui avez été connectés, qui avez donné de votre temps pour écouter. Each and every one of Nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous. We're going to do our second giving now. Nous allons aller dans notre second service Package des offrandes maintenant. Giving. J'aimerais que vous puissiez apprêter vos offrandes. Number. Nous avons notre numéro PayPal et puis il y a toutes les informations qui défilent sur votre écran. We have our shilling account, dollar account. Nous avons également Make des sure comptes you give, en dollars, give your seat, en shilling. Give your offering, give your tithe. Donnez également vos dîmes, vos offrandes. Package your giving. Préparez vos offrandes. We bless the Lord. We have some. We also just before we close. Avant que nous ne puissions terminer. We have some exciting news. Nous avons également une très bonne nouvelle. For each and every one of you guys. Pour chacun de vous qui nous suit. This week. Cette starting semaine. This starting week. This week, I believe by semaine, by Wednesday. À partir Wednesday. De thank okay. you, thank mercredi, you. Je le crois. Because we were waiting for the man of God to give finish. Us the day, but because now he's given us the day, jour, so it shall be Wednesday. So Wednesday we are starting a teaching on marriage. Yes. Ah, mercredi nous allons commencer des enseignements sur le mariage. We will be doing it together. Nous, yeah. And nous it will be on my account. Ensemble. Ça sera the Salma Lutuka pages. I had to rush very quickly and say that before he decides to say that it's going to be on his account. I also need some action on my account. So please like the pages, Salma Lutuka. All the details will be put out. Let this news go out to all the married couples, if you want, even the single ones who are getting ready to get married. Every week, we will be coming together to teach about marriage, to talk about marriage. Cette semaine, nous parlerons du mariage. Nous prêchons sur le mariage. We will also have question and answer sessions. Nous aurons aussi une séance de questions-réponses. Where we will give a chance to couples to send in their questions. Nous donnerons l'opportunité aux couples. And by the grace of God and the leading of the Holy Spirit, d'envoyer leurs questions. We will answer all your questions. Par la grâce de Dieu. And we look forward to that. Nous répondrons à leurs questions et nous. Have we all done our giving? So as you can see, avons déjà donné nos offrandes? Wednesday, we are starting our marriage teaching. Nous voyons que mercredi nous allons commencer. If you know your marriage mariage, is broken, même si votre mariage connaît des problèmes, you face healing. Vous Amen. Allez voir la guérison venir. So spread the news. Partagez la nouvelle. And be many connected. Et soyez nombreux. Even if you are not married, même si vous n'êtes pas encore marié, you have to get knowledge on how you. Vous devez avoir la connaissance. How you will manage your marriage. Comment est-ce que vous allez vous comporter dans le mariage? We'll reveal again secrets. Nous allons révéler également des grands secrets. Yeah. We will give the time yeah. at a later date. But right now, I need to pray for you. J'aimerais juste maintenant prier pour vous. Listen to me. Écoutez-moi. The sign as well, you can see the seed of Lucifer. Un autre signe qui vous permet de voir la postérité de Lucifer. They complain in giving. Ce sont des personnes qui se lamentent quand il s'agit de donner les offrandes. Yes. They don't support. Ils n'aiment pas soutenir l'œuvre de Dieu. The Church of God. Ils n'aiment pas soutenir l'Église. So, whatever seed you're holding in your hands. Quelle que soit la semence que vous avez entre vos mains. You got to release it as a seed. Vous devez maintenant le donner comme une semence. All our numbers are there and details. Tous nos coordonnées sont là ainsi que nos numéros. Contact and sow in such a ministry. Contactez et semez dans un ministère comme celui-ci. Where such revelations are coming out. Où de telles révélations vous sont disponibilisées. Do you know how many people need to hear this? Vous savez combien de personnes ont besoin d'écouter des messages comme ceci? Do you know how many people? Vous savez combien de personnes? That this is going to save them. Cela va également les sauver. And your teva seed, your $100. Et quelle que soit la semence que vous avez, que ce soit $100. Your $1,000. $1,000. Your $50. Que ce soit vos $50. When you sow right now. Lorsque vous semez maintenant. You are supporting such thing to go on. Vous êtes en train de supporter ce ministère pour que le message soit diffusé. Against any spirit contradicting against the giving of God. Je résiste contre tout esprit qui s'oppose au sort pour qu'il donne. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Imagine when you give God $1. Imaginez quand vous donnez à Dieu même $1. When you give God $1.
Quand vous donnez à Dieu même un dollar, and you have a lot remaining, et que vous avez énormément qui vous reste, do you think what you are doing is right? Pensez-vous que ce que vous faites soit juste? You are giving God less than $1. Vous donnez à Dieu moins que un dollar. Reason yourself. Which seed are you exhibiting? Raisonnez vous-même. Quel genre de semences vous êtes en train de manifester? You are manifesting wickedness in your giving. Vous manifestez la faiblesse à travers vos offrandes. La méchanceté. La wickedness, la méchanceté. But when you give to God well, lorsque vous donnez à Dieu de manière appropriée, as Paul said generously, comme Paul le dit généreusement, that means abundantly, abondamment, you exhibiting the seed of where you are born. Vous êtes en train de manifester la semence d'où vous êtes né. From God. De Dieu. When we speak about seed, that the time people start quitting life. Lorsqu'on parle de la semence, c'est comme ça qu'il y a des gens qui se déconnectent. They start going off. Qui se déconnectent. That's a mistake. C'est une grande erreur. After hearing such revelation. Après avoir écouté de telles révélations. You have to see it. Vous devez s'aimer. For your own protection. Pour votre propre protection. Start sowing now. Commencez à donner maintenant. Some of you can do transfer. Certains d'entre vous peuvent même réaliser des transferts. Do it now. Faites-le maintenant. Do it now. Faites-le maintenant. I'm in Kasarema. Je suis à Kasarema. It's amazing the testimonies. Oh, c'est merveilleux les témoignages qui pleuvent. Amazing. Amen. I don't know, just because maybe English people they can't listen. C'est simplement parce que les anglophones ne peuvent pas y accéder. The whole Kasarema. Mais je vous dis, tout Kasarema. They are talking about the testimony God is doing through. Ils sont en train de parler du témoignage que Dieu humblement est en train de faire à travers son serviteur prophète Joël Lutuka. Lives are getting healed, delivered. Les vies sont délivrées. People are vomiting when I pray. Les gens sont en train de vomir. Demons are speaking. Les démons sont en train de parler. From afar. De très loin. Ah. Healing is taking place. Les guérisons prennent place. You got to support. Vous devez soutenir ce ministère. You got to support. Vous devez soutenir cela. You got. Vous devez soutenir cela. Do it now. Faites-le maintenant. Beyond your strength. Au-delà de vos forces. Do it now. Faites-le maintenant. Do it. Faites-le. Some of you need to be a partner now. Certains d'entre vous, vous devez maintenant devenir des partenaires en part entière. Every month. Tous les mois. Partnering for this ministry. Soyez un partenaire avec ce ministère. Partner. Partenaire. Thank you. Merci. I pray for you now. Je prie pour vous maintenant. And if there's someone you never accept Jesus. Et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais encore reçu Jésus. You got to do it now. Vous devez le faire maintenant. Say, Lord Jesus. Dites après moi, Seigneur Jésus. I come before you. Je viens devant toi. Forgive my sins. Pardonne mes péchés. I was a sinner. Je suis un pécheur. I ask you today, Lord. Je te demande aujourd'hui, Seigneur. Be my Lord. Sois mon Seigneur. And my Savior. Et mon Sauveur. Cleanse me. Purifie-moi. With your precious blood. Par ton sang précieux. I renounce today. Je renonce aujourd'hui. To the works of the enemy. Aux œuvres mortes de l'ennemi. The devil. Le diable. And in my heart. Et dans mon cœur. I believe. Je crois. And I confess. Je confesse. That you are the Lord of my life. Tu es le Lord de ma vie. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. I'm born again. Je suis né de nouveau. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. And Father, I pray. Père, je prie. Wherever you are now, lift your hands. Partout où vous êtes, levez vos mains. Be concentrated. Soyez concentrés. Something marvelous needs to take quelque place. Quelque chose de merveilleux va prendre place. Spirit of the living God. Esprit du Dieu vivant. I pray now. Je prie maintenant. In the powerful name of Jesus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Everyone that is under the influence of my voice. Toute personne qui est sous l'influence de ma voix. Those even that have sowed. Même ceux qui ont sémé. Putting their tithe and offerings. Qui ont donné leur dîme et offrande. And everyone that listen to me today. Et toute personne qui m'écoute aujourd'hui. Any spirit that is contrary than the spirit of Jesus. Any spirit that is contrary than the spirit of Jesus. Tout esprit qui conteste avec Jésus-Christ. I command that spirit to come out. Je commande à cet esprit de sortir.
That spirit of tormentation. Je commande à tout esprit qui vous tourmente. That was tormenting your life. Qui tourmentait vos vies. That was tormenting your family. Tout esprit qui tourmentait votre famille. That was tormenting your finances. Qui tourmentait vos finances. That was tormenting that body. Qui tourmentait votre corps. Come out in the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. I command it to lose you in the name of Jesus. Any spirit that was causing you never to sleep. Tout esprit qui fait en sorte que vous ne dormiez pas. That was causing you to have stress. Tout esprit qui vous rendait vous donner fire in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let that spirit be tormented in the name of Jesus. Jesus. De tourment, sort au nom de Jésus. I see the spirit coming out. I see Je the spirit coming out. Les démons sortis. I see that spirit coming out. Je vois les démons sortis. Lose her in the name of Jesus. Lâche-la au nom de Jésus. Lose him. Lâche-le. Never return to that body. Et reviens jamais dans ce corps. Be free. Sois libre. Be free. Sois libre. Be free. Sois libre. Kadaka tus katamaya. Is there a woman watching us calling Tabi? Tabi. Tabi. Il y a une dame qui nous suit qui a le nom de Tabi. Is there a person Tabi. Watching us like this? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit qui a ce nom Tabi? Tabi. 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 I declare. Je déclare. Deliverance. La délivrance. Over every man and woman. Sur tout homme et toute femme. Listening to us. Qui nous suit maintenant. Receive your light. Reçois ta lumière. Receive your deliverance. Reçois ta délivrance. 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 In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus Christ. I declare. Je déclare. So shall it be. Ainsi soit-il. You are covered. Tu es couvert in the blood of Jesus. Sous le sang de Jésus. You are covered. Tu es couvert in the blood of Jesus. Dans le sang de Jésus. So shall it be. You can declare prayer. Ainsi soit-il. Father, we thank you. Père, nous te remercions. For this wonderful, glorious time. Pour ce moment merveilleux, glorieux que nous avons eu. We declare in the name of Jesus Christ. Nous déclarons dans le nom de Jésus Christ. That the word that we have received today. Que la parole que nous avons reçue aujourd'hui, la parole is life. De Dieu. And his truth in us in the name of the Lord Jesus Christ. Let this word bring deliverance in our lives, in our families, in our finances, deliverance from every bondage, every chains of the enemy in the name of the Lord Jesus Christ. Even as we start this new week, we bless your week in the name of Jesus Christ. Everything that your hands shall touch shall prosper in the name of Jesus Christ. We declare over each and every one of you, over your families, that you are heavenly protected and heavenly guarded in the Lord. Let the blood of Jesus Christ speak for you everywhere that your feet shall step. Let the blood of Jesus Christ speak greater for you in the name of the Lord Jesus Christ. We bless you. We bless your homes. We bless your children. And we bless this wonderful week until we shall meet again on Wednesday. May the Lord keep you. May his face shine upon you. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amen.